C'est frais, je vais les laver à l'eau claire, sans trop les laisser dans l'eau. Ça absorbe l'eau? C'est pour ça que ça va absorber l'eau. Hein. Donc il faut vraiment les laver et les retirer. Ces fraises viennent de Seine-et-Marne, hein, donc à quelques kilomètres de l'hôtel Le Méridien. Elles n'ont pas subi de transport, rien du tout, très peu. Et c'est vrai que les fraises, c'est un produit fragile. C'est un produit très, très fragile. On ne peut pas les garder très longtemps. D'ailleurs, aurais-tu un conseil particulier pour les garder, les fraises, pour les conserver peut-être? Alors, pour les conserver, dans le bas du frigo, plutôt la partie basse du frigo, parce que c'est la partie quand même qui est moins froide dans un frigo. Une fois qu'elles ont été lavées et cuites, on va les couper en fines lamelles. Là, tu n'utilises pas la mandoline? Là, j'utilise pas la mandoline parce que c'est un fruit avec une chair beaucoup plus fragile. D'accord. Si j'utilise la mandoline, ça va s'écraser. D'accord. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est une soupe de fraises, mais c'est pas un coulis de fraises. On va les disposer dans notre assiette de service. J'ai fait une infusion d'estragon. Comment tu fais? Alors, je fais cuire comme un caramel, mais sans coloration, l'eau et le sucre. D'accord. D'accord. Je laisse refroidir et une fois que ça refroidit, je vais infuser quelques branches d'estragon frais. D'accord. Et je vais laisser refroidir et ça va me donner ce sirop très limpide